Eh bien, ça de bonsoir, macho boys et sexy girls et couilles bleues, le roi des noobs. Le petit chinois qui joue aussi mal qu'une fillette de 5 ans vous présente la 21e partie de Grand Theft Auto 5 sur PS4. Et la dernière fois, on s'est pété la tête parce qu'on a dû rendre notre butin qu'on a volé dans la mer, ouais. Alors, attendez, on va changer ça. Ok, c'est vrai, j'étais chez moi et je me suis reposé un peu la tête parce que, eh boy, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, quelle mission peut-on faire? Ah ouais, on doit aller voir le beau petit FBI, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va appeler un taxi parce qu'on est super loin, n'est-ce pas? Les contacts, dans le câble, et voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, hein? Vous le savez pas, mais ça fait longtemps. Can I get a cab ASAP? Not a problem. A driver's on the way. C'est pas lui le chauffeur, hein? Non, non, ok, c'est pas lui le chauffeur taxi. Donc, je vais attendre ici. Et ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je sors des vidéos à chaque jour de Grand Theft Auto, mais je joue beaucoup de parties en succession parce que j'ai de l'école et puis j'ai du travail, alors j'ai pas tout mon temps. Attends, il paraît que je peux siffler. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Quelqu'un m'a dit que je peux appuyer sur la flèche droite. Et ça, je vais siffler, ça va faire en sorte que le taxi va arrêter de bouger. Ok, amène-moi au repère. Allez, vas-y. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu mes skills de noob. Et, ben, je m'en rappelle. Je me rappelle comment utiliser les boutons et tout. Je me rappelle comment changer de personnage, sortir mon gun et tout. Mais, le gameplay va être moche un peu au début. Je vous le préviens tout de suite, hein. C'est long. Ah, j'ai rien dit. 109$! On m'a enlevé 109$! Sérieux? Oh boy, c'est beaucoup d'argent ça! Ok, j'avoue que la distance entre ma maison et le FIB. Ok, non, c'est pas l'immeuble du FIB. Mais en tout cas, entre moi et le FIB, c'était loin. We're straight. Oh, absolutely, yeah, yeah. You killed people, you tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight, you and me, we're arrows. Davey, you can't do anything about this fucking turd? Attends. Here's Trevor. Great! Looky looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money. For us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. Oh, can you'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Oh! Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! You fuck it, Trevor. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Michael. C'est ce que tu veux entendre. Et boy. Bon, attendez. Donc, quitter la zone, c'est parfait. Et le FBI, non, le FIB. Ouais, parce que c'est deux choses différentes. C'est ce que certains m'ont fait remarquer.
sont des... Oh, what the... Ah, pourquoi ça pop-up toujours dans un moment bizarre? Nouveau contact Dave. Ben, j'ai pas envie d'avoir Dave dans mes contacts, non, c'est un enculé. Ah, ok. Oh! Ok. Alright, guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Ok, les préparatifs sont disponibles à HS. Vous aurez besoin d'un véhicule pour vous échapper. Mais avant ça, je vais aller là-bas. Oh, oh, désolé. Je vais aller là. Oh, bébé! Comment vas-tu? Oh, wow! Oh, ok, non, tu veux pas de moi? Ok, fuck you alors. Oh, on va aller là. Tu as donné une petite... Yeah, I like it. Air Code Scorpio vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous et choisissez la coupe de cheveux qui vous correspond. Ok, je suis chez un coiffeur, je peux juste me couper les cheveux, je peux pas changer mes vêtements. Ok, c'est parfait. C'est un peu chiant, non, mais... Oh, welcome, oh, merci beaucoup. Ok, on va changer de coupe de cheveux. J'ai déjà rien sur ma tête là, mais on va essayer. Oh, ok. Coiffure. Oh, en pétard. Hey! Oh, je peux pousser mes cheveux comme je le veux. Hey boy. Ok, il est fucké comme ça, hein. Je crois que je le préfère normalement. Ouais. Il est normal. Ok, normal. Il est normal. C'est bon. Barbe. Ah, ben oui. Oh, yeah. It's fine. Yep. Ok, je sais pas pourquoi tu me coupes les cheveux quand je veux juste ajouter une barbe, hein. Et c'est. Ok, de la magie. Tu pratiques la magie noire, je vois. Oh, 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 merci, tu m'as foutu une barbe. Je devrais peut-être changer mes vêtements, hein. Oh, non, quand j'étais jeune, là, je demandais toujours à ma mère de me donner 25 sous pour aller manger avec les machines à bonbons. Oh, c'était la joie dans le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oups. Oh, shit. C'est ça, j'ai complètement oublié comment utiliser les boutons. Je me rappelle seulement de quelques-uns. Salut les sex ladies, comment allez-vous? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ah, ok, c'est vrai, il faut aller au HS ici, voilà. Ah, c'est juste à côté. Bon, c'est pas pire. Maintenant que j'ai une barbe et tout, je suis prêt à faire la mission principale, c'est-à-dire voler ça, voler ci, et ensuite faire boum boum chika waouh waouh. Oh oh. Ok. Ils ont dégagé les mecs. Oh, c'était des femmes. Oups. Oh, ok, te voilà. Ok, ben, je suis désolé. Je vais te braquer, mon gars. Hey, salut, ça va? Ok, ouh. Attends, t'étais en train de draguer une femme, toi? Ouh, le chat, qu'est-ce que tu fais? Hey, quoi? Attends. Tu veux te battre? J'ai rien fait. Ouh, tu veux te battre quand je t'ai rien fait? Oh, prends ça, salon. Fight. Ah, t'as pas d'amis? Hein? D'habitude... Oh non, j'ai pété le chien sans faire exprès. Je suis vraiment désolé, hein. Ouais, non, mais c'est lui qui... J'ai rien fait, j'ai juste dit salut au chat, j'ai juste dit salut le villageur, et lui, il vient... Oh, tu veux te battre. C'est quoi son problème? Oh, non, tu vas appeler la police, ça se voit. Attends que je te... Ok, il est correct. Bon. Il a laissé son ami crever, il est super gentil, hein. Ça, c'est ce que j'appelle un pote de nuit. Maintenant, je vais amener le camion poubelle... Oh non! Ok, j'aurais dû vraiment le tuer parce que la police me voit maintenant. Ok, il faut que je me cache quelque part. La police ne m'a pas encore repéré, il faut que je me cache. Tout ça, c'est à cause du mec, j'aurais dû l'écraser. Oh non, il y a un policier en avant. Oh, tourne, oui, c'est ça, va sur l'autoroute. Et bon, je sais pas où je devrais aller honnêtement. Mais, en tout cas, je crois qu'il faut que j'aille là-bas en tout cas. Parce que c'est là-bas où je dois déposer mon camion poubelle. C'est ce que j'avais vu en tout cas. J'avais vu que dans la minimap, il y avait une petite ligne jaune. Il me disait, va là-bas. Selon moi, je suis au bon endroit. Oh non, il y a un policier devant moi. Fuck my life. Oh, c'est ça, va-t'en. Allez, dégage. Ah, dégage. Non, il reste stationné là-bas. Okay. Je vais faire un petit tour sans qu'il me... Ah, il m'a aperçu. En plus, il y en a un autre là-bas. Oh, mais arrête de foutre du vandalisme ici. Voyons donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait. Voyons donc, je vous enlève la merde. Regarde, c'est un camion poubelle. Je vous enlève la merde sur les mains. Et vous me chassez comme des sans-culés, des malades mentales. Oh, pitié de merde. Au secours, les amis.
Faut que je me plante quelque part. Oh, oh, je vais aller à droite. Il y a personne à droite. Hé, hé, hé. À moins que je laisse mon camion quelque part, je cours et je m'enfuis. Et ensuite, je reprends le camion. Oh, c'est pas une pire idée, ça. C'est pas une mauvaise idée, ça, honnêtement. C'est même du génie, je trouve. Là, 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 vous me faites taper chier dans le cul. Une ruelle. Quelque chose pour me cacher. Peut-être que... Alors, si j'étais un ninja, j'aurais pu me camoufler dans les rues, hein. Ouh, ce serait super cool. Ok, oui, cache-toi, cache-toi. On va se cacher ici. Non! Les policiers m'ont repéré encore. Ah, colis! C'est le soir. Il pleuvait tantôt, maintenant il pleut plus là, mais c'est juste pour vous montrer que ça m'a pris beaucoup de temps pour semer les flics. Ça m'a pris autour, je vous mens pas, de 30 minutes. Et vous savez quoi, j'ai établi un nouveau record personnel parce que, écoutez, comment voulez-vous que je sème les flics avec un gros camion comme ça? Il est tout pété là, mais au moins j'ai réussi à faire la mission, c'est bon, c'est parfait. Bon, descendez du camion, regardez, il est tout pété, hein. Oh, 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 donc... Maintenant, mission réussie, c'est cool, camion poubelle. Oh, je vous le dis, ça m'a pris beaucoup de temps pour terminer cette mission. Oh, oh, conférence. Non, je dois voler un véhicule, je peux pas courir. Sanitation trucks there now, so don't you bother. Quoi, tu les as appelés juste pour dire ça? Trouvez un endroit discret pour cacher le véhicule qui vous servira à filer. Oui, ok, ce véhicule, c'est ça? Attends. Oh, bébé, comment vas-tu? Attends, est-ce que c'est... Hey, pourquoi c'est la femme qui conduit? Ça devrait être l'homme. Hey, t'es pas un vrai homme, toi, t'es une fillette. Allez, dégage de là. Dégage de là! Attends, les gars, faut qu'on planque des véhicules qu'on va utiliser pour s'échapper. Trouvez-en un, planquez-le quelque part et appelez-nous pour qu'on sache où il est. Bon, comme d'habitude, ça va être toujours moi qui va faire ça, hein? Attendez, là... On va trouver un véhicule le plus proche, se retrouve ici. J'aurais pu appeler un taxi et tout là pour aller là-bas, mais je suis sûr que le véhicule bouge sans cesse, alors ça sert à rien d'appeler un taxi. Mais en tout cas, c'est parfait. On va aller le chercher. Mais moi, vous savez, j'ai déjà un beau véhicule en ce moment. Je comprends pas pourquoi on peut pas prendre celui-ci et le cacher. Non, 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 il faut prendre, je sais pas moi, une vieille Toyota. Oh, oh bébé! Oh bébé! Une vieille Toyota, ou bien une Subaru, ou même peut-être une Honda Civic. Waouh, je déteste ce genre de voiture, c'est trop maniable, ce qui fait en sorte que, ouh, à chaque fois tu tournes, ça tourne trop. Et là, à la place de, ouh, à la place de bien conduire, tu conduis comme une chienne. Oh là là. Donc, il faut que je fasse le tour, je peux pas prendre un raccourci et sauter en bas. Ah, il faut vraiment que je fasse le tour, c'est ça? Non, ouais, moi je vais prendre un raccourci. Regardez ça. Et voilà! Yahoo! Oh! Ok, ça m'a fait mal, mais je suis correct, Allez, je suis bientôt arrivé à destination. Donc, allez, sors de là. Voler la dépanneuse. Bon. Allez. Ouais. Salut, toi. What the fuck? You piece of junk. Attends, tu veux que je vole ça? Oh, ok, non. Ah, oh, tu veux que je vole ça? Ah, d'accord. Ouh. Bon, ça... vous allez vous enfuir dans ce véhicule. Je sais pas comment vous allez faire, mais bonne chance. Oh, oh, attends. Le vieux bonhomme, c'est mon ennemi maintenant? Oh, il me semble... Ok, tu veux te battre? Attends, non. Oh, t'as peur maintenant? Oh, c'est ça, t'as peur? C'est ça, pleure comme une petite fillette. Mais tu voulais jouer avec moi, c'est ta faute! Hein? T'as prendras-tu une nièce, pas Trevor? Allez, maintenant, attends, je vais te shotgunner pour que tu comprennes. Et je vais te donner 6 nouvelles paires de couilles. Eh boy! Ça lui apprendra de faire son coin avec moi. Oh non, je dois semer la police encore une fois. No way! Hey, vous savez quoi? Je suis pas si pire pour m'évader des forces policières. Regardez ça! C'est encore la nuit, j'ai... Je vous jure que ça m'a seulement pris une minute. Seulement une minute. Oh boy! Grâce à ce jeu, je crois que je pourrais faire... Oh! Des vols super bien planifiés. Ah, ça me donne des idées, hein? Oh. Bon, allez, on va déposer ça. Voilà. Ah, je devrais essayer d'aller dérober un Future Shop ou un Best Buy un jour. Et puis voler toutes les consoles de jeux, les jeux vidéo. Ça devrait être cool. Et ça devrait bien se faire parce que, écoutez, si je réussis à faire ça dans un jeu, je devrais réussir à faire ça dans la vraie vie, non? C'est logique.
Maintenant, il reste encore deux autres trucs à aller chercher. Non, arrête de les appeler, non. Tow truck is at the lot. Ok, c'est ça. Tu les appelles juste pour dire ça. Tu peux pas, comme, aller chercher tous les trucs et à la fin lui dire... Ben, leur dire, « Hey, ok, j'ai tout trouvé, les amis, blablabla. » Non, tu dois faire ça à chaque fois, voyons donc. Ok, maintenant, il faut que j'aille chercher... Bon, ça, peut-être je devrais appeler un taxi, hein? Ouais, on va essayer d'appeler un taxi. Fuck that shit, là, je suis trop lazy. Allez, va. We need a cab, pronto. Stay where you are. I got a driver right around the corner. That'll work. Ok, je vais attendre. Il m'a dit de rester là, alors je vais rester là. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Oh, tu veux jouer avec moi, toi? Oh, attends, attends. Oh, tu veux te battre? Hein? Je connais la boxe! Hein? Je veux... Oh! 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 Tu veux jouer à ça? Juste pas... Oh, putain! Yo, fuck! Yo, you wanna fight? You wanna fight? Où es-tu? Ah, c'est ça, tu pars à courir. Tu me roules dessus et après tu pars à courir, hein? Quel enfoiré, quelle mauviette, quel garnement. Oh, le taxi est là. Ah, salut. Ok, ne bouge pas, ne bouge pas. J'arrive. Bon. Là, on s'en va à destination, mon petit gars. Quel enfoiré, j'arrive pas à croire. Juste parce que je lui ai frappé. Non, j'ai même pas frappé ce bonhomme-là. J'ai tapé son véhicule. Et là, après, tout ce qu'il fait, c'est... Pédaler, et puis il m'écrase. Hé, hey, l'enfoiré. Okay, buddy. There you go. Merci beaucoup. Oh, Ammonation, merci beaucoup. Trouver 3 bleus de travail. Ok, 3 bleus et 2 de... C'est où que je trouve ça, des 3 bleus? Oh. Ok, quand tu dis bleu, tu veux dire blues. C'est ça? Hey, j'ai appuyé pour acheter des armes. What the fuck? Like a candy store for adults, isn't it? Oh ouais, c'est ça, hein? Ah, c'est pas ça? Non, parachute. Non, alors, c'est où ton bleu? C'est pas un fusil, hein? Non, c'est pas un fusil ce que tu veux. Attendez. On va le chercher, ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Bidon d'essence. Un bleu. Attends. Trouver bleu. Attends, c'est ça, hein? Ok, protection ultra légère, nanana. Juste. Ah, ça, c'est bleu, non? Aïe. Attends, selon la minimap, il faut que j'aille ici. Alors, je crois que c'est ça. Hein? Ok, bleu de travail. Ah, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, parfait. On va prendre. Bon, on va prendre cette couleur. Ça ressemble au bleu. Ça et ça. Bon. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, mission réussie, bleu de travail. Je savais pas que ça s'appelait des bleus de travail. Pour moi, ce sont des uniformes. Ou des costumes, mais pas des bleus. Bon, d'accord. Allez. Oh, attends, j'entends un véhicule. Non, il n'y a pas de véhicule. Je vais... Boiler suits can come off the shopping list. Ok, merci beaucoup. Honnêtement, t'aurais pu appeler à la fin. Hey, toi. Attends, hey. You look like an ugly woman. Oh! Whatever. L'insulte! Sorry, lady! Oh, je lui punché la face! Oh boy! Vous avez vu ça? J'ai ouvert la porte et un gros bam dans sa face! Aucun respect, ce gars-là! C'est pas croyable, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça! Ok, non, j'ai déjà vu quelqu'un comme ça, là, mais il était moins pire que lui, là! Regarde, j'ouvre la porte et bam! C'est tellement chelé! Surtout aux femmes, si c'était un homme, ok, c'est pas si pire, mais... Un, les femmes sont fragiles. Et deux, tu tapes leur face, ben leur valeur baisse, hein. Parce que vous savez, les femmes aiment ça se maquiller, aiment ça se rendre belle. Alors si tu tapes sa face, elle a un bleu, c'est fini. Mais si c'est un gars qui a ça, c'est pas si pire. Ou même, s'il y a une belle cicatrice sur sa face, là, ça devient beau. Mais une cicatrice sur une femme, ça devient laid, hein. C'est bizarre, les humains, hein. Non, oh! Notre définition de ce qui est beau ou laid chez une femme ou chez un homme, c'est tellement bizarre, je ne comprends pas parfois. Oh, c'est pas la police? Ok, non, j'ai vu. Je croyais que j'avais vu la police devant moi. Oh boy, aïe, apprenez à conduire, bande d'enculés. Attends, pourquoi je fais le tour comme ça quand je peux prendre un raccourci? What the fuck? Oh, ça doit faire mal ça. Désolé, mon petit Trevor, j'ai pas fait exprès, ok? Je te promets que je n'ai pas fait exprès. Oh non! Ok, ben en tout cas, je suis arrivé là. C'est pas pire. Allez. Là, je sais pas qu'est-ce que je... Oh bébé! Comment vas-tu, chérie?
Allez, Peut-être que tu ressembles à Miley Cyrus, mais en version, tu sais, un peu plus jolie et tout, là. En fait, t'es bien meilleur que Miley Cyrus. C'est totalement le contraire. Oh. Ok. Salut, toi. Je peux pas lui donner de l'argent. Oh, what the fuck? Hey, je lui ai donné un coup de pied. Je voulais même pas. Hey, salut, toi. Ok, donne-moi 3 masques, hein. Quoi? Attends. Oh, ici. Wouhouhou. Ok. Ah non, t'es sérieux? Oh putain! Oh boy! Oh, je savais pas qu'on pouvait aller acheter des masques. Je crois que je vais acheter quelque chose qui m'intéresse et je vais le garder pour toujours. Oh, une tête de cochon? Je sais pas, peut-être. Oh bien! Le singe de l'espace, ouais! Qu'est-ce qui. Oh bien, gorille! Non, je crois que je préfère le cochon, hein? La tête de cochon, c'est bon parce que ça va super bien sur Trevor. C'est un petit cochon maldin. Ok, pour Trevor. Ok, ça c'est pour Michael et Trevor. Ok, Trevor là, il est un gentil garçon. Alors il faut prendre quelque chose de pas très très. Bon, ok, on va prendre ça. On s'en fout. Oh, attendez. Hey, non. Hey, il est où mon masque? What the fuck? Non! Allez, s'il te plaît. Non, il est où mon masque? Ah, je crois que je vais toutes les acheter, hein. Juste pour le fun. Fuck. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Ok, en gros, c'est moi qui a tout fait, hein. Allez, on va tout acheter. C'est pas cher. Hein? Allez, comme ça. Oh, c'est ça, on va prendre la tête de cochon, voilà. Attends, on va tout acheter. Singe de l'espace. Non, ok, je crois que j'ai assez acheté de trucs. Ah! Oh putain, regardez! Oh putain! Oh, ça te va trop bien, mon petit Trevor. Ok, on va te garder comme ça. T'es trop super cool comme ça. Allez! Bon, où doit-on aller? Cette fois-ci, il y a juste des détraqués et des inconnus. Non, inconnus et détraqués. J'ai pas envie d'aller là. Ok, je crois que je dois changer de bonhomme, hein? Ouais, pour l'instant, je n'ai pas de mission, alors. Franklin a une mission. Oups, mauvais bouton. On va chercher Franklin. Lui, il peut aller voir Lester, mais ça fait de... Ça fait depuis un bout que je peux aller voir Lester avec Franklin. Alors, je crois pas que en allant le voir, je vais compléter la mission que je dois faire en ce moment. Non, je ne crois pas. Aïe, aïe. Ah, t'es chez toi, là? Ou bien t'es au club de striptease? Oh, oh! Mais qu'est-ce que tu fais, là? That ain't fair. But T, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. On a déjà vu cette scène, non? Elle dit bye bye, Franklin, t'es une pute, blablabla. Bla, bla. J'ai déjà vu cette scène. What the fuck, mon gars? Ok. Bon, attendez. Maintenant qu'on a tous les magots, lui, il peut pas aller voir le FBI. Mais il peut aller voir Lester, c'est ça. Lui, il peut aller voir Lester, et puis... ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Voyons donc. Ok. Bon, ok, on va aller voir Lester et on verra qu'est-ce qu'il veut, hein, n'est-ce pas, les amis? Attendez. Oh, c'est vrai. Taxi! Non! Le taxi, là-bas! Hey, bouge pas! Bouge pas, sale taxi! Non! Non, sale taxi de merde! Reste ici! Oui, feu rouge. Reste là, ok? Ne bouge pas, mon gars, s'il te plaît. Attends, il a passé le feu rouge. Oh, il a passé le feu rouge. Vous avez vu ça? Oh boy, oh, désolé mon gars, mais j'ai vraiment besoin de ton véhicule parce que Taxi Boy est parti. Oh, dégagez. Bande de cons et fuck you. Hein, fuck you tout le monde. Oh. Quand je l'ai vue, elle marchait seule dans la rue en chantant doux. Wadididididam didi. Les policiers me chargent, je ne sais pas pourquoi. Oh, ok, voilà. Qu'est-ce que Lester a pour moi cette fois-ci? Oh ouais, tu fumes? Je t'ai pas vu avec de la cigarette, toi. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but
Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Oh, wow. C'est comme ça que... Oh, wow. C'est comme ça qu'on planifie nos vacances ou quoi? Bon, ben... Ça a l'air que c'est pas ça qu'il fallait faire. Je savais déjà, parce que le petit, elle, était là depuis longtemps, là. Mais il y avait rien d'autre à faire. Il y avait juste des traqués et inconnus à aller voir chez Trevor et chez Franklin, je pense. Michael avait rien. Oh, mais j'aurais dû aller voir qu'est-ce que Michael faisait dans la vie. Oh, putain. Mais en tout cas, ce qui est fait. Alors, on va faire cette mission la prochaine fois, malheureusement, parce que nous n'avons plus le temps en ce moment. Si vous voulez supporter cette chaîne et que vous l'avez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang de couilles. Au revoir et à la prochaine!